là-bas, là, ça les baffe. C'est là où ils sont. Quand je filme, elle veut que je filme. Donc on a 10 minutes. On a YouTube. C'était juste pour communiquer. Donc tout ce qui sera fait ici, les champs, tout cela sera communiqué sur le net parce que c'est un outil de communication. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans le net. C'est ici les gens jouent avec l'internet. Sinon, en Europe, tout se fait sur le net. Tu es à la maison, tu t'achètes tout sur internet. On te dit comme ça. Donc, l'internet, parce que ça rattache au ministère du tourisme, nous allons plus voir l'image à l'extérieur. Voilà, mener les touristes à rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis nos frères qui sont ici seront si nous, mais il faut communiquer. Donc on a un blog pour parler de nos mœurs, de notre vision. Il y a un blog de Bessoa qui est sur le truc. Donc ils vont comprendre de notre vision et tout ça. Et en même temps, j'ai une page Facebook. On a une page Facebook. Donc vous dites déjà que ceux qui sont déjà sur le Facebook, vous pouvez déjà faire des membres, demande d'amis, on peut déjà valider pour avoir une idée et puis vous aussi partager les images à vos amis. Moi c'est ce que je fais. Même aujourd'hui ce matin j'ai balancé même les images de Bessoa un peu partout, je le fais un peu partout. Bessoa veut dire bonne nouvelle, ça c'est un idole, ça veut dire bonne nouvelle. Et nous on a ajouté de ça la réussite, qui veut dire cette bonne nouvelle qui apporte la réussite dans la vie de quelqu'un. Voilà, parce que les noms souvent les impactent. On ne choisit pas les noms comme ça, les noms les impactent. Voilà, donc c'est un cadre ici. Il n'y a pas une question de passage. Non, sans dépasse, ça n'existe pas, mais soit. On aura l'occasion de vous expliquer. Celui qu'on aura l'occasion de prendre dans cette histoire, on le renvoie. Parce qu'il y aura les statuts de règlement intérieur. On va essayer de partager à tout le monde. Ouais, parce que c'est ça, dans un pays, partout, dans une association, il y a toujours un règlement intérieur, des statuts de règlement intérieur. Donc les règlements intérieurs, je vous balance déjà. Parce qu'au fait, les gens ont l'idée de l'hôtel. Chez eux, l'hôtel, c'est le bordel. C'est-à-dire que c'est quelque part où on vient, on donne 5000 francs. Monsieur, s'il te plaît, je veux gérer ma copine une heure du temps. Non, ici, c'est un complexe. C'est l'auberge. On vient, on dort, c'est pour dormir, parce qu'on a un appartement. C'est ça. Partout, d'ailleurs, quand on sort et tout ça, qu'on a l'hôtel. Soit. Donc ici, c'est ça. C'est pas une question de... On va négocier. Non. C'est les prix. Celui qu'on va attraper, faire les choses, tout. On sort au lieu de chasser la personne. Parce que pour que deux personnes marchent ensemble, c'est une question de vision. Il faut d'abord de la même manière. Pour nous, c'est un complexe. Si toi, tu vois ça comme les champs de passe, vraiment, c'est obligé de séparer. De ton choix, tu voulais te séparer. Maintenant, si lui, peu importe, prouver qu'il nous rende la chambre propre, si lui veut, il paie la chambre, ce qu'il a envie de faire, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais il paie la chambre doit être tenue propre. Et tout ça, donc, on verra tout ça, tout ça. Il y a le restaurant. Il dit, nous, la particularité de ce soir ici, c'est que nous avons un restaurant ici qu'on appelle le palais de la réussite. Ici, le restaurant, c'est le palais de la réussite. Et en même temps, il y a une pâtisserie. Il y a la pâtisserie, il y a un temps ici. Et en même temps, nous avons les mets africains. C'est-à-dire qu'au petit déjeuner. Voilà. Comme je dis aujourd'hui, moi, j'ai envie de manger. On a mangé du cacaï. On n'est pas trop habitué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens font des diabètes. L'Africain n'est pas trop habitué à manger sucré. Mais par contre, les menus, les croissants, les pains et tout ça seront menus. Normalement, pour sur les menus aussi des plats africains. Ici, on trouvera le plat cali. On trouvera le menu matin, on fait le plat cali. Et puis, entre midi et deux, il y a aussi les plats africains. Les plats africains, quand on dit plats africains, on a sauce graine, on a sauce arachide, on a un peu de plat cali, le tout, foufou. Ici. On verra ça ici. Ça va permettre, forcément, vous allez, si quelqu'un vient de. Qui est dans le quartier, ou même quelqu'un en fonction ici. Il n'a pas forcément besoin d'être forcément logé ici. Il peut déjà avoir accès au restaurant. Il vient manger un midi et deux. Voilà, un midi et deux. Nous allons beaucoup communiquer un peu sur ça. Communiquer un peu sur le restaurant. Voilà, donc le restaurant est ouvert à tout le monde. Pas forcément aux clients de restaurant. Donc ça vous permet de communiquer vous aussi. Vous aussi qui êtes employé ici à restaurant. Vous dites que c'est ouvert, hein, le restaurant. Tout ça, on aura l'occasion de vous clé avec tout. Là, nous allons démarrer déjà à partir du vendredi l'ouverture du restaurant. Parce qu'il va échanger avec ceux qui sont les responsables de la restauration, un budget, et nous allons démarrer. Déjà vendredi, il va commencer. Il va les calmer à partir du vendredi et tout ça, démarrer. Et une autre particularité, déjà, c'est celle, je le dis, hein, c'est-à-dire que ce qui n'existe pas ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire ici. Parce que je vous ai dit, quand toujours l'hôtellerie est liée au ministère du tourisme, c'est comme ça. Et donc, le tourisme, c'est quoi? C'est-à-dire de vendre la culture. Nous vendons nos cultures, ça c'est important.
Le monsieur, il vient, qu'est-ce qu'il a? C'est vrai qu'ils dorment ici. Les blancs sont parce qu'ils n'ont pas d'hôtel, tout ça. Et ils sont pour apprendre. Voilà, donc nous allons vendre un peu l'image de la Côte d'Ivoire un peu partout. Et c'est pour ça que chaque fin du mois, chaque début du mois, il y aura des solutions chacun. C'est-à-dire qu'ici même d'ailleurs, il y a un planning promo, plutôt marketing. Quelqu'un qui a fait une et qui a fait 6 000, la 7e année, c'est gratuit. Il y a 3 unités au niveau du restaurant. Et en même temps, on a les premiers week-ends du mois. Nous avons une sortie sur la plage de Monongaga pour permettre aux gens de découvrir beaucoup de choses. C'est pour la plage de Monongaga. On y va pour 2 jours. C'est-à-dire qu'on va s'en dédier. On revient. Écoutez, vous avez 4 heures, on va s'en dédier. On revient dimanche. Alors, on revient dimanche, je ne sais pas. On rentre. Celui qui veut aller à Abidjan, il continue à Abidjan parce que c'est Monongaga, c'est la 100 euros là-bas de l'autre côté. Donc, c'est le planning qu'on va démarrer ici. L'ouverture de l'hôtel, c'est en août. Et l'immigration, plutôt, l'hôtel, c'est en août. Et dès qu'on finit l'immigration, on met le système en place. Voilà, on va communiquer là-dessus. Et tous les dimanches, nous avons essayé, tout le monde voit, tous les dimanches, comme je l'ai dit, il y aura des grandes soirées ici. Il y a des amis, enfants, qui sont des artistes. Donc, ici, il y aura des cabrés, la sauce cabrée, et tout ça ici. Tous les dimanches, l'après-midi. Au fur et à mesure, on aura plein de choses. Il y aura les concerts live ici. Qui va permettre aux gens de venir et de découvrir. Je vais ici, j'ai un spectacle gratuit. Tout ça. Pour dire que nous démarrons avec une grande vision. C'est pas de l'amusement. C'est pas venir dormir et tout ça. C'est tout à fait une grande vision. C'est pour ça que je suis en train de me battre qu'il y a tous les chaînes de télé. Ici, d'abord, c'est là. C'est l'hôtel où il y aura 15 chaînes de télé. C'est différent des autres. Voilà, il y aura 15. C'est-à-dire que tu es dans la chambre, tu n'es pas ennuyé. Non seulement tu as la télévision, tu as le wifi et tu as 15 chaînes de télé. Et tu peux les appeler 15. Quand tu es dans la chambre, on peut t'envoyer à manger, on peut on a un spectacle, franchement. On a aussi un spectacle.